Salut tout le monde. Aujourd'hui, ça va être spécial transfert, recrutement transfert et tout ça. Donc épisode sans réel match, mais on va essayer de repérer. Attendez, je vais baisser un petit peu la musique. Tac tac, voilà. Ça va être bien. Hop, je vais faire ça. Clac. Et ouais, épisode spécial transfert. Et ouais, faut essayer de re-signer certains joueurs. Joueurs en fin de contrat cette année. T'en as pas mal. Est-ce que t'as des agents libres qui sont intéressants? Non, t'as pas d'agents libres. Il joue chez Monster. Embauche suggérée. Faudra prendre un important salaire pour obtenir un tel talent. Il y a 26 ans, il commence à jouer aussi. Ok, impeccable. Donc déjà, on garde 8, je sais pas si je vais le prolonger. Je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que j'en rachète un deuxième? Il va avoir 30 ans, il va commencer à être vieux. Il y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de jeunes talentueux à part Ryan James. Non, je vais pas le re-signer. Lui par contre on va le re-signer tout de suite. Allez, pour 3 ans. Encore une fois. C'est très ambitieux pour le club. Il est donc content d'avoir prolongé. Parfait. Tout. 20 ans. Alors. 28 avec lui, je vais pas beaucoup utiliser. Donc en soi, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Par contre, des deuxièmes lignes, il me les faut. Des deuxièmes lignes, il me les faut. 23 ans. En plus, celui-là, il est quand même. Il a quand même un petit. Quand même un petit espace. Ah non, Dowling, est-ce que je reprolonge? Ah, c'est ça la question aussi. Lui, il me fait des matchs énormes. Le peu qu'il a joué. Je me signe pour 3 ans là. On va réfléchir. Les valis, c'est l'avenir. 75 000. Ça nous coûtait bien cher. Christian Hazard. Si je te mets ça, tu me restes pour 3 ans alors. Ouais, trop vieux, je vais pas le garder, j'ai pas le prolonger. Il est trop vieux, il n'y a pas beaucoup de général. Pilier, est-ce que. J'en ai plein de piliers aussi. Tu vois. J'ai beaucoup de piliers. Et j'ai des plus talentueux que lui. Donc en fait le problème c'est qu'il ne jouera pas. Et lui aussi. Par contre, en deuxième ligne, t'es un peu la dèche. Et en plus, lui, il a une polyvalence de fou. 25 ans, il y a moyen d'en tirer des. Il y a moyen d'en tirer quelque chose d'intéressant.
Parfait. Fait 29, arrière, Dowling. Bon, allez, on va le prendre quand même. On va le prendre quand même au cas où. Pour avoir une... Ouais, on va le prendre. Il y a quand même. Il y a quand même pas mal de taf ça encore. Ok, il n'y a pas eu de grande difficulté au niveau des prolongements. Alors maintenant, ce qu'il va falloir repérer, c'est les mecs à chercher. Tu vois, j'aimerais bien un joueur quand même qui soit un joueur référence, tu vois. Lui, expiration 2017, on ne prolongera sûrement pas. Par contre, il a plein d'avenir avec nous. Lui aussi. Lui, on l'a replongé. Faudrait peut-être un Tal. Filtré. Bon, on va regarder. On va regarder les postes. Je position. Avant. Accepté. J'ai voulu mettre avant, s'il vous plaît. Alors, rôle. On va regarder dans pilier. On a 9 joueurs en pilier. 5 talonneurs. 5 talonneurs, mais est-ce que. Merde. 5 talonneurs, mais est-ce que. Talonneurs, ils sont. Alors, lui, il part l'année prochaine. Lui, il est pas l'année prochaine normalement. Lui, on va pas le re-signer. Donc on en a 4. 4, 4. Ouais. Non, niveau talonneur, on en a. Donc ça sert à rien d'aller chercher. Ça sert à rien d'aller en chercher. Non. Alors, on cherchait un à tout prix. Maintenant. Deuxième ligne, on a 5 joueurs. Je sais que deuxième ligne, c'est un peu complexe parce que t'as des joueurs aussi qui ont une polyvalence en troisième ligne que j'aime bien faire jouer. Putain, on peut pas avoir son total. Et puis en vrai, en deuxième ligne, on n'a pas de gros joueurs. C'est un peu frustrant. Il y a beaucoup et ça vieillit. Lui, il vieillit. Lui, il devient vieux. Lui, il est vieux. Enfin, il devient vieux. Enfin, ils deviennent vieux à peu près tous. Il y a que lui qui est jeune, qui a une belle perspective d'avenir. Mais ouais, c'est sûr que 26 ans, c'est un peu chaud parce que ils vont être limités au niveau de. Au niveau de. De. Comment ça s'appelle ? De la révolution en troisième ligne. On en a que deux là, ouais, va falloir recruter. Je pense qu'on va recruter un deuxième et un troisième ligne. Parce que lui, il va plus tarder à partir. Et lui, il y a 75 de général. Donc j'aimerais bien trouver un autre joueur qui a environ 80 pour pouvoir faire la transition et permettre à Burr d'évoluer. Alors, au niveau des arrières, on en a 3. C'est Zilman qui va. Bon, Zilman, voilà, c'est, on va le garder, il est bon, il fait le taf, et il a une polyvalence en centre et en ailier. Dowling, il est jeune, il peut évoluer fort. Cartier aussi, franchement, c'est deux exports. Donc en soi, je pense que, entre guillemets, on n'a pas besoin d'arrière. Maintenant, en ailier. On est lié, ouais, non, ça se joue bien, enfin, ça se fait bien. Je pense qu'on est plutôt bon en ailier, alors on a une polyvalence énorme au centre. Non, au centre. Alors, James Robert, ouais. Le truc, c'est que, ouais, ça serait bien. C'est dommage, je crois pas qu'on puisse les envoyer en prêt, parce que je les ferais bien évoluer ailleurs. Déjà, j'aimerais bien retrouver un autre centre à 80 gen. Parce que 78, ça se sent quand même hein, quand tu joues.
Donc je vais essayer de retrouver un centre. Troisième ligne, deuxième ligne, centre. Sûrement. Ou ouvreur, parce que ouvreur, on n'en a pas des masses. Ouvreur officiel, ouais. Faudrait peut-être en recruter un bon. Alors après, t'as des mecs qui sont polyvalents, hein. C'est pas ça le problème, hein. Il y a des mecs polyvalents, mais bon. Les mecs polyvalents, ils préfèrent jouer à leur poste quand même, tu vois. Là, en demi-mêlée, on a quoi faire le taf. Lui, il est polyvalent, mais voilà, enfin, j'aimerais bien avoir un pur 10, quoi. Donc, limite à la rigueur, pas des 10, mais on va regarder. Maloney, 28 ans, trop vieux. Et en plus, on va peut-être pouvoir recruter. Inférieur ou égal à 25 ans. Alors. On a Kieran Foran qui a 24 ans, 91 de général. Segeyaru, il est bon aussi. Ferguson. En vrai, je sais pas s'il joue beaucoup Ferguson. Il y a peut-être des chances qu'on puisse le prendre. Ah ouais, mince, attendez, j'ai pas mis la position. J'ai cru que c'était en ouvrir. Accepté. Alors. Ah oui, ça change un petit peu quand même. On a Cornish. Et je pense qu'en vrai, un petit mec de 22 ans, 85 de général, c'est quand même assez intéressant. Après, t'as des mecs. Est-ce qu'ils jouent dans le Holden Cup? Non, pas Holden Cup. Cameron Cullen aussi. Enfin, franchement, j'aimerais bien choper un 70 à 80 général. Allez, on va essayer de le prendre. On va regarder un peu. Je sais pas où on en est financièrement, nous, mais. Toc. Ouais, on met un petit budget quand même. On va mettre un petit budget. Allez, on va monter à 10. Ça sont des joueurs à repartir. Parfait. Allez, on va passer. Deuxième ligne. Plus vieux. Ça y est. Ouh, celui-là il me tente bien. Il n'y a que 20 ans, 85 de général. Il peut faire des dégâts. Après, il y a un peu moins cher. Mais un peu moins noté, mais. Je me dis à 20 ans, il y a moyen de le faire bien évoluer. En plus, je crois pas qu'il joue beaucoup. Et il demande pas un salaire de fou malade. Enfin, même le Ranger, pour économiser un peu. Ah, le bâtard, merci de trop ans. Lui, il demande quoi? Ouais, t'es cher, mon poulet, hein. Toi, viens jouer en NRL plutôt, tu t'amuseras mieux. T'as pas un salaire en plus super. Super élevé. Il
Donc, ah putain, il a re-signé encore. Ça va être compliqué. Après, je me dis, lui... Attends, lui, je crois qu'il est dans le Holden Cup, si je ne me trompe pas. Allez, on va monter à 76. Allez, du coup, on va même le remonter à 80. Let's go! Du coup, ouais. On a fait deux belles recrues. Maintenant, on va regarder en troisième ligne si on peut en choper un petit là, comme ça. Un petit jeune plein d'ambition parce qu'on va perdre notre meilleure troisième ligne. J.R.O. 19 ans. 79 de général qui ne manque pas un salaire incroyable. On va le monter à 90 000. Franchement, plein d'avenir ce pied. Alors je sais pas quand ils vont arriver. Quand ils vont arriver, je sais pas. Ils sont pas encore là, je crois qu'ils viendront la saison prochaine. Donc ouais, après on a fait comment dire, on a fait notre équipe. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Le prochain, ça peut être la revanche qu'on va faire face aux Tigers, qui nous mène tout au match d'ouverture de cette compétition. Et pendant que j'avais simulé le match, les gars, on a tout simplement, je crois qu'on a joué 3 matchs, on a perdu, après on l'a gagné, et après on a reperdu un match. Donc ouais, c'est compliqué, on est à 10 points, 4 points des Bulldogs, qui sont tout simplement les premiers qualifiés. Donc voilà les mecs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et c'est parti après pour le match contre les Tigers, on va reprendre du jeu, et c'est terminé pour les Français du moins pour le moment.